Donc maintenant qu'on est parvenu à insérer une facture en base de données, il est temps qu'on puisse récupérer la facture et l'afficher à l'utilisateur. Et pour pouvoir récupérer la facture, on va se rendre dans notre éditeur de texte et on va devoir écrire le JavaScript qui va nous permettre de récupérer une facture. Là, je commence par récupérer les factures. En fait, on va récupérer toutes les factures. La première chose ici, c'est de se créer une fonction qui va récupérer les factures. Donc, je vais l'appeler ici getBills. La fonction getBills qu'on vient de créer ici est la fonction qui gère la logique côté JavaScript. Ensuite, on aura une autre logique côté PHP. Mais avant tout, on a notre modèle qu'on doit gérer. Donc, ça veut dire qu'on aura une deuxième fonction ici, public function, qu'on va appeler peut-être read. Donc, je vais écrire tout ça en minuscules, sinon ça ne va pas fonctionner. Public function et on va l'appeler read par exemple. La fonction read ne va prendre aucun paramètre. Elle va devoir se connecter à la base de données en faisant ici un getConnection. Et à ce getConnection, je vais utiliser la méthode query. Dans cette méthode query, je vais demander simplement à sélectionner tout ce qu'il y a dans la table facture. Et cette table facture, désolé. Et je vais demander à ordonner ces éléments en fonction de l'ID. Une fois que je lance la requête, je vais l'exécuter immédiatement en faisant un fetch all ici, pas un fetch column, mais plutôt un fetch all. La constante que je vais passer au fetch all ici, là, c'est le PDO. Et là, je demande à utiliser 2.2.fetchObject. Donc, à ce niveau, je viens de récupérer tous les éléments que j'ai déjà en base de données. Je peux simplement dire à ce niveau-ci même qu'on retourne ça et ça ne va pas déranger. Donc, je mets ici un return de toutes ces données et ça ne va en rien déranger. Du coup, je vais revenir dans mon process JS et on va commencer à écrire la requête qui nous permet à écrire l'Ajax qui nous permet de récupérer les choses dont on envoie la requête asynchrone. Ici, dans getBills, je vais lancer une méthode Ajax. À cette méthode Ajax, je vais bien évidemment donner un objet qui va contenir les éléments nécessaires. Premièrement, on a l'URL. Et on s'est dit que l'URL, vu que c'est le process.php qui fait le traitement back-end, c'est lui qu'on va passer en URL. Quelle est la méthode qu'on utilise ici? La méthode, c'est simplement le type. Et pour ça, je vais dire qu'on utilise une méthode post. Ensuite, je crois que je vais donner les données. Et les données que je vais donner ici, ça sera simplement du JSON. Dans ce JSON, je vais lui dire de faire une action. Et cette action, ça sera fetch. Donc, lorsqu'on va tester dans notre PHP, s'il teste un $post et il voit que le $post correspond à fetch, il va faire la requête de récupération des données. Et lorsqu'on fait tout ça, on a toujours notre success. Une fois que la fonction, une fois que la propriété success nous revient, on va la récupérer dans une fonction avec la réponse qu'on a reçue du serveur. Cette réponse qu'on a reçue du serveur dans un premier temps, on va simplement demander à voir ce qu'elle contient. Maintenant que c'est fait, on va venir dans notre process PHP et juste un peu plus bas ici, on va demander à récupérer les factures. On s'est dit qu'on va tester un $postAction, mais cette fois-ci l'action sera différente, donc je vais d'abord supprimer tout ce que j'ai ici. Mais cette fois, l'action qu'on veut en fait, c'est une action de fetch. Si ces deux conditions sont remplies, c'est-à-dire qu'on a une action et que l'action correspond au fetch, ça veut dire qu'on a envie de récupérer nos éléments en base de données. Donc, je vais créer ici un $output qui va représenter en fait l'affichage que l'utilisateur aura. Ce $output, je vais commencer à l'enrichir. Donc, je vais mettre mon tableau à l'intérieur. Notre tableau va désormais être géré ici dans le PHP. La première chose dont j'ai besoin ici, si je veux afficher les éléments de mon tableau, c'est de m'assurer qu'on a au moins un élément en base de données qu'on a envie d'afficher. Donc, il faudrait que je puisse compter tous les éléments qui me proviennent de la base de données. Et pour compter tous les éléments qui me viennent de la base de données, j'ai deux méthodes. Je peux par exemple ici lancer un count et à ce count, je vais prendre ici le DB auquel je vais récupérer la méthode fetch, la méthode read, désolé. Donc, lorsque je lance la méthode read, le count ici, la méthode read va récupérer toutes les factures que j'ai et le count va compter toutes ces factures. Si je me rends compte que le count du $read est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a au moins une facture en base de données et on peut commencer à faire notre traitement. La deuxième méthode, et qui est celle que je vais plutôt utiliser, est d'avoir par exemple notre instance de la base de données et de récupérer une méthode qui s'appelle peut-être countBills. Donc, cette méthode va compter tout ce qu'on a dans notre base de données, toutes les factures qu'on a en base de données.
Et cette méthode count bills, on l'a pas. Donc, je vais revenir par ici et je me dis que je vais désormais aussi me créer une nouvelle public function que je vais appeler ici count bills. Ce count bills, en fait, ne va prendre aucun paramètre vu qu'on veut juste compter les éléments qui sont dans notre base de données. Et ce count bills va nous renvoyer ici un entier dont je peux déjà mettre là int. Une fois que c'est fait, je vais lui demander de me faire un retour de int. Je commence par convertir immédiatement avant d'écrire même ma requête. Un int de this getConnection. Et lorsque je vais récupérer la connexion en elle-même, je vais lui appliquer un query. Dans ce query, je vais lui demander de faire un select count. Donc, je lance ici select. Ensuite, je dis count. Il va nous compter quoi? Les ID. Une fois qu'il compte ses ID, je vais demander qu'il me renomme ses ID en tant que count, ce qui veut dire que je dois récupérer une variable count. Il va compter ses éléments depuis la table facture. Ici, j'ai deux parenthèses, je crois que je vais supprimer l'une d'elles. Une fois que je finis de compter ces éléments, je vais lancer un fetch, un simple fetch, et à ce fetch, je vais récupérer l'élément 0. L'élément 0, en fait, ça sera ce qui contiendra ce count qui est par ici. Donc, du coup, si je reviens dans mon process.php ici, je vais désormais utiliser ce count build pour faire mon test. Et le test que je vais faire sera de demander, en fait, si on a au moins une facture en base de données. Donc, je vais faire if $dbCountBill supérieur à 0. C'est là où j'ai envie qu'on affiche les éléments du tableau. Et dans la mesure où on n'a aucune facture, on va mettre ici un else. Et dans ce else, je vais afficher un echo. Le echo en lui-même, il va porter simplement un titre de niveau 3. Et ce titre de niveau 3 va dire aucune facture pour le moment. Donc, lorsqu'on revient dans notre condition, là où on a au moins une facture, on va afficher cette facture. Et si on va afficher cette facture, on va l'afficher dans un tableau. Ici, j'ai créé un output et je vous ai dit que ça devait être l'affichage. Donc, du coup, ce output pour le moment, il est vide. Si j'ai au moins une facture, j'ai envie d'ajouter des données à ce output. Pour ça, je vais reprendre ici le output et je vais dire, je vais te rajouter certaines données. Les données que je vais lui rajouter dans un premier temps, ça sera simplement l'entête du tableau qu'on a de l'autre côté. Donc, je vais revenir ici dans mon index et je vais remonter dans mon tableau. Je vais couper l'entête du tableau jusqu'à ce qu'on arrive au tableBody. Et je vais laisser uniquement le cadre du tableResponsive. Une fois que je coupe cette entête, je vais venir la mettre à ce niveau-ci sans me soucier de quoi que ce soit. La deuxième chose que je vais ensuite faire, là je viens de constituer l'entête de mon tableau. La deuxième chose, c'est bien évidemment de mettre ces éléments. Et ces éléments tels qu'ils sont ici, ils sont dans une boucle. Donc je vais également lancer cette boucle au niveau de mon process ici. Mais cette fois, quel type de boucle est-ce que je vais lancer? Je vais lancer une boucle for each. Je vais boucler le for each sur quoi en fait? Sur $bills. Je vais dire que je boucle sur $bills. $bills va représenter quoi? $bills va représenter toutes les factures qu'on a récupérées en base de données. Et ici, pour le moment, on n'a pas récupéré cette facture. Donc, lorsqu'on va compter, qu'on se rend compte qu'on a au moins une facture en base de données, on va demander à récupérer ces factures. Je lance un $bills et ça sera $db pour lequel on va lancer la méthode read. $bills va contenir tout ce qu'on a comme facture en base de données. Une fois qu'on va lancer notre boucle for each ici, on va commencer à afficher chaque ligne de notre tableau. Donc, je prends ce même $output. Donc, je vais simplement dire dans ma boucle for each que chaque fois qu'on va boucler dans les éléments qui proviennent de notre table, dans notre base de données, on récupère une nouvelle facture. Tu dois afficher une nouvelle ligne du tableau. Donc, lorsqu'on a fait notre for ici, on va essayer de refaire le même for dans notre process. Je vais couper ce tableau dans ce TR et ce TR, je vais simplement l'ajouter à ce niveau-ci. Je vais réarranger mon code. Et pour petite info, j'espère que vous avez noté le fait qu'une fois que j'ai collé, mon éditeur de texte a directement échappé les doubles guillemets qu'il y avait un peu de partout. Donc mon code n'aura aucun problème. Maintenant, je peux revenir à ce niveau et commencer à mettre les informations qui me proviennent de ma base de données. Par exemple, je dis que je prends $bill et je lui mets son ID. En dessous ici, je vais récupérer la même facture et je vais plutôt lui mettre son nom de son client ici qui est le customer. Ce que je viens d'écrire là, je crois que je vais juste dupliquer ça un certain nombre de fois. Après le customer, on doit mettre ici le cashier, on doit mettre ici le amount
En dessous, je dois mettre le received et après on va mettre ici le returned. Et le dernier élément qu'on doit mettre, c'est le state. Une fois que j'ai fini de faire ça, je n'oublie pas mon point virgule ici. Si on regarde bien, vous allez voir que j'ai la balise table d'entrée, j'ai le t-head et j'ai le t-head qui se ferme ici. Ensuite, j'ai le t-body et pour chaque élément que je vais récupérer dans ma base de données, j'aurai un nouveau tr. Une fois que c'est fini, il faut maintenant que je referme mon tableau. Donc, juste après mon for each ici, je vais venir ajouter un dernier élément au output. Je reprends mon output et je lui dis désormais, je te mets le dernier élément qui va te permettre de fermer mon tableau. Et là, j'ouvre la balise. En fait, c'est pour fermer la balise table et pour fermer également la balise. Désolé, là j'ai fermé table deux fois. Ici, je voulais fermer le t-body. Donc à ce niveau, on vient de reconstituer tout notre tableau. On va également venir à ce niveau et on va d'abord supprimer les déchets qu'il y avait par ici. On s'est dit par exemple quoi? Et là, j'allais oublier quelque chose. Vu qu'on a créé ici une fonction qu'on a appelée getBills, pour que cette fonction, pour que ça marche, il faudrait qu'on appelle la fonction au moins une fois. Donc je vais appeler ici getBills. Et je vais venir à quel niveau? Ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Donc, on peut aller dans notre navigateur pour essayer de faire un test. On va donc se rendre dans notre navigateur par ici et on va actualiser. Je vais voir ce que la console nous dit. Et dans la console, on nous dit qu'on a une chaîne de caractères vide. On a une chaîne de caractères vide simplement parce que dans notre PHP, lorsqu'on fait notre process ici et qu'on finit de récupérer tous ces éléments, on doit normalement dire echo output. C'est le echo qui va renvoyer ce qu'on veut pour que l'Ajax puisse récupérer ce et nous afficher en tant que response de ce côté. Donc si on repart dans le navigateur et que j'actualise, vous voyez que là j'ai un tableau qui est formaté ici. Et ce tableau, on va le récupérer vu qu'il provient de la réponse, on va le récupérer et on va l'afficher dans notre page par ici. Donc on va d'abord fermer ça dans un premier temps et repartir dans notre éditeur de texte. Au niveau d'ici, je me dis que lorsqu'on n'a pas encore chargé la page, on va se mettre ici un H3. Je vais lui donner ici un texte success et je vais également lui donner un texte center. Et là, on va dire chargement des factures. La prochaine chose qu'on va ensuite faire, c'est de venir ici au niveau de notre JavaScript et de supprimer le console.log pour ajouter nos éléments. Donc, on va sélectionner ce qu'on appelle ici le order table. Et j'avais demandé que lorsqu'on laisse cet élément, qu'on lui mette cet identifiant. Grâce à cet identifiant, on va le sélectionner par ici. Et une fois qu'on le sélectionne, on va dire qu'on veut y ajouter du contenu HTML. Le contenu HTML qu'on ajoute n'est rien d'autre que la réponse qu'on vient de récupérer en JSON. Une fois qu'on va récupérer ça, ça va nous afficher les éléments de façon saccadée. Ça veut dire si on a 1000 éléments, il va nous afficher les 1000 éléments. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de récupérer encore notre table qui provient de la réponse. Et une fois qu'on récupère cette table, on va encore lui mettre ici un data table. Et je crois qu'à ce niveau, on est bon. Donc, on va repartir par ici. On actualise. J'ai chargement des factures. Et dès que les factures sont là, on voit nos éléments qui s'affichent. Uniquement 4 éléments. Donc, là, on vient de gérer la deuxième fonctionnalité qui est la fonctionnalité qui nous permet ici de récupérer les utilisateurs qu'on a en base de données. Dans la prochaine partie, on va se pencher sur la fonctionnalité qui va nous permettre ici de mettre à jour un utilisateur et potentiellement aussi de voir les informations d'un utilisateur. Donc, on va essayer de faire ça la prochaine fois.